des clés USB. Alors j'utilise deux clés USB. Une clé USB ici qui est de couleur noire. Cette clé USB contiendra mes vidéos de magie et une clé USB de couleur rouge. Cette clé USB contient des morceaux de musique. Je conserve ces deux clés USB dans ma main et en fonction de ce que j'ai envie de faire, par exemple de visionner des vidéos de magie, eh bien j'utilise ma clé USB de couleur noire. Si par contre je voulais écouter de la musique, eh bien là je vais utiliser ma clé USB de couleur rouge. Je conserve toujours les deux clés dans ma main de façon à pouvoir choisir, par exemple ici, si je veux une clé USB qui contient les vidéos, mais je peux aussi préférer écouter de la musique. Auquel cas, évidemment, je vais prendre la clé USB de couleur rouge. Si je veux uniquement écouter de la musique, je vais retirer la clé USB de couleur noire et la mettre dans ma poche. Et je vais me concentrer sur la clé USB de couleur rouge. Attendez, la clé USB de couleur noire, il me semble que je viens de la mettre dans la poche. Est-ce à dire que cette clé USB, ah oui, c'est pourtant bien la clé noire, avec les vidéos de magie. Donc moi ce que je voulais, c'est, j'avais dit écouter de la musique. Donc là, il vaut mieux ici utiliser à ce moment-là la clé USB de couleur rouge. Donc rouge me permet d'écouter de la musique et noir me permet de regarder des vidéos. Alors ici, ma clé USB de couleur noire me signale qu'elle est saturée. C'est pas grave, je vais valoir magique augmenter sa capacité de manière à pouvoir ajouter des vidéos de magie